Alors, je m'appelle Olivier Touboul, je suis docteur en pharmacie, je gère le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud et je suis à l'origine également de ce concept un peu original et unique qui existe en Polynésie depuis 2008, qui est ce concept de séance de création cosmétique qui permet à tout public, à partir de 7 ans, il n'y a pas d'âge limite, de venir de créer son propre produit personnalisé à partir d'ingrédients à la fois polynésiens, mais d'ingrédients aussi qu'on importe. Et on permet donc, lors de ces séances de création cosmétique, de découvrir à la fois des ingrédients, mais également de personnaliser son produit en dessinant de la couleur, de l'odeur, du soin et de la texture de son produit. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié lors de la séance avec les candidates Apollo Tuiti, c'est véritablement la diversité qu'il y a eu de création à la fin. Donc, c'est vrai que c'est très souvent les candidats, quand ils viennent de créer leurs produits, sont très souvent influencés par le voisin en termes de couleurs, en termes de parfums aussi. Alors que là, j'ai découvert vraiment des produits avec des colorations complètement différentes, une gamme assez large. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare. Ensuite, j'ai vraiment trouvé aussi que les filles étaient très engagées dans la démarche. C'était peut-être une motivation, peut-être dans leur parcours aussi, dans l'élection. C'est qu'elles savaient ce qu'elles voulaient. Les filles se sont bien focalisées sur leur objectif. Et voilà, j'étais content aussi de voir que certaines étaient vraiment enthousiastes à la fin et qu'elles se retrouvaient vraiment dans leurs produits. En quelque part, si elles ont bien réalisé la séance, c'est qu'elles ont mis une part de la personnalité à l'intérieur du produit et je trouve qu'elles l'ont bien fait. J'étais vraiment content, en tout cas, de les recevoir pour leur faire partager un peu ma passion.